À Arles, parmi les nombreuses expositions des rencontres photographiques, il y a celle de Pierre et Gilles, un tandem indissociable qui œuvre en commun depuis 1977. Pierre photographie, Gilles peint à l'acrylique. Il s'inspire de l'imagerie populaire, un univers que l'on peut définir de kitsch. Reportage de Jean-Jacques Dufour et Bruno Giraudeau. Dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est que le kitsch? Le kitsch? 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 Non, le kitsch. Moi, je comprends pas ce mot. Kitsch, c'est l'étiquette que l'on colle sur les photos de Pierre et Gilles. C'est le kitsch? Ce mot, c'est assez péjoratif quand même, c'est ça? S'il faut étiqueter, les duettistes préféraient qu'on parle d'image glamour. Pas, ça ne nous dérange pas vraiment, mais... C'est parce qu'il y a des fois, il y a des paillettes, c'est des images agréables qui font rêver. On aime bien faire rêver les gens avec nos images. On aime bien les chansons d'amour, tout ça. Et nos images, c'est comme des chansons. Glamour, kitsch, la question se pose. En revanche, ce qui est sûr, c'est que leurs photos réussissent à choquer, notamment celle-ci intitulée « Le triangle rose ». Oui, parce que je suis allemand et je connais le fascisme comme allemand et pour moi c'est une image trop beau. Amateurs d'évasion, les deux compères reviennent d'un voyage en Asie qui les a inspirés, tout comme les inspire la spiritualité, les saints, les images pieuses. On a toujours été attiré par les religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, autant religion catholique, hindouiste, bouddhiste, c'est quelque chose qu'on aime. Puis nos images, c'est un peu comme des icônes souvent. Ces icônes, revisitées par Pierre et Gilles, se vendent comme des petits pains, entre 60 et 70 000 francs. Comment vous trouvez? Très bon. J'achète une. Je vais acheter une, peut-être là. C'est pas pour mon salle à manger, c'est pas pour le salon, c'est pour une chambre extra, pour choquer mes visiteurs un peu. Pour en finir avec le kitsch, sachez que c'est une attitude esthétique caractérisée par l'usage hétéroclite d'éléments démodés ou populaires considérés comme de mauvais goût. Mon Dieu.